un personnage en France très connu. Et il se trouve que dans tous les territoires qui ont été occupés du temps où le roi s'appelait Louis, souvent on a créé une paroisse Saint-Louis. C'est pour ça que par exemple à Maurice, qui s'appelait à l'époque Île-de-France, en 1722 a été créée la paroisse de Saint-Louis ici à Port-Louis, alors qu'il y avait à Vieux-Grand-Port une paroisse dédiée déjà à la Vierge. La fête de Saint-Louis, là où le diocèse porte son nom, est forcément célébrée. Et ici, c'est aussi finalement, la fête nationale catholique, puisque à la messe de la Saint-Louis, très officiellement, le gouvernement, le président de la République, les corps constitués sont invités. Cette année, Saint-Louis 2021, confinement, restriction, il n'y aura dans l'église demain que 50 personnes. D'habitude, par exemple, tous les prêtres du diocèse sont invités à la fête de la Saint-Louis et il y a beaucoup de VIP, fonctionnaires, etc. Cette année, quelques prêtres, à peine une dizaine, et quelques invités officiels et quelques chrétiens. Du coup, ce sera vraiment une Saint-Louis à minimum. On verra, peut-être que l'année prochaine, si Dieu le veut, et Saint-Louis aussi, si Dieu le veut, eh bien on pourra avoir quelque chose de plus traditionnel, correspondant à finalement la fête, parce que les gens y étaient attachés. Moi, je suis ici depuis quelques années, pas à la cathédrale, mais à Maurice, et le jour de la Saint-Louis, la cathédrale débordait. Cette année, 50 personnes. C'est...